Cette vidéo sera certainement une des trois dernières qui sera publiée. Cette vidéo dévoile 14 autres lignes de la prose sur une largeur de 33 pieds poétiques, ce qui représente les 33 premiers quatrains. Ces lignes seront constituées principalement par les cours d'enseignement, résumant la mise à jour du décryptage, ainsi que les condensés des événements qui surviendront à notre humanité. C'est ce qui fut la motivation principale de Nostradamus. En essayant de faire éviter la catastrophe, en nous avertissant de l'imminence de ce danger, dans l'espoir d'un sauvetage à grande échelle. Cette révélation est un véritable don de la création. Elle daigne avertir ceux qui sauront entendre. Beaucoup d'entre nous n'approfondiront pas cette expression qui demeure la seule chance de notre humanité. À travers ma plume, Nostradamus nous prouve son véritable don de voyance, en prédisant avec précision la vie de Louis XVI et sa fin tragique. La vie de Napoléon Bonaparte, il va écrire correctement son nom dans la prose, ainsi que le nom et le prénom de celui qui décryptera ses textes. Nostradamus nous fait comprendre que ce qu'il annonce se produira. Ce texte est un véritable conte de fées, et comme l'écrit Nostradamus, cela fera une nouvelle légende. Pour prédire l'avenir, il faut faire des études, obtenir des antécédents de preuves, permettant d'affirmer la véracité des prédictions. Chaque métier a son diplôme. Un médecin, un couturier, un mécanicien. Mais ne demandons pas à l'un d'entre eux d'exercer le métier de l'autre. Encore moins à un médecin ou à un couturier de prédire l'avenir. Pour cela, il faut être consacré. Vous trouverez sur le site nostradamusbp.fr toutes les informations permettant de comprendre que cette écriture secrète a été mise à jour. L'écriture que nous allons découvrir est avant tout un langage, comme le serait une langue étrangère. Il nous faudra être très attentifs pour suivre les préceptes de Nostradamus afin de bien comprendre les éléments expressifs permettant d'accéder au message secret de l'auteur des centuries. Car rappelons-le, ces textes ont traversé les siècles sous les yeux des plus grandes intelligences de ce monde. Nostradamus s'adresse à un seul homme. Voici pourquoi les textes ont été cryptés pour plusieurs siècles. Maintenant, il est l'heure de révéler cette expression afin que celle-ci puisse se répandre. Nostradamus a écrit dans ses textes secrets « J'ai dissimulé mes prédictions derrière des fadaises ». De nombreux voyants ou prophètes ont eu des visions, mais aucun n'a eu de texte apportant la preuve de leur don. Cette révélation est certainement la plus belle révélation pour notre pays de France. Cette révélation est écrite, donc chacun pourra vérifier le contenu du texte. Vous trouverez tous mes livres sur le site nostradamusbp.fr car je dois réunir suffisamment afin de traduire dans les langues les plus courantes. Il faut savoir qu'une traduction en anglais ou en espagnol coûte au minimum 5000 euros. Car ce qui est annoncé par Nostradamus ne concerne pas que la France, mais concerne le monde entier. Je dois donc faire connaître cette écriture dans le monde entier. Ce diaporama met en relief le drame qui va se jouer dans un avenir proche. Nous devons prendre en considération les descriptions de Nostradamus sur un cataclysme. J'ai mis 38 années avant de me décider à rendre ces textes au monde. 14 débuts de lignes de la prose nous seront révélés ici. Un autre diaporama sera publié prochainement, avec des mots-clés dans chacune des lignes. Et cela, afin de parfaire les explications qui sembleraient pas assez explicites. Voici exactement une partie de ce qui a été découvert en 1989 et qui a permis l'ouverture des textes secrets. Nostradamus avait crypté son œuvre à partir des pieds poétiques. Il a créé le plus grand jeu de mots croisés du monde. Voici donc le principe de la construction de la prose, construite selon le principe de Guy d'Arezzo, inventeur des notes de musique en l'an 1000. Voici la construction de la prose. Le premier quatrain se range verticalement par pieds poétiques. Étant, assis, de nuit, secrète, zélude, seul reposé sur la selle des reins. Les pieds poétiques s'enchaînent les uns au-dessous des autres. Voici comment nous devons construire la prose complète. Le premier quatrain se range verticalement, ensuite le deuxième à côté, le troisième, le quatrième et le cinquième. Comme l'exemple vous le montre. Il faut ranger les pieds exactement comme vous le voyez actuellement. Le texte fera 100 pieds de large et environ 350 pieds de long. L'ensemble de tous les textes représente 1 million de mots.
et ceci afin de pouvoir définir l'avenir de notre humanité. Pour lire Nostradamus, il faut connaître certains paramètres qui ne sont pas traités dans ce film. Par contre, ils seront traités dans la version longue qui suit. Voici à nouveau le rangement des quatrains dans la prose, mais cette fois avec l'exemple de mise en place des paramètres de lecture. Comme vous pouvez le constater, la prose se lit facilement. Les mots ont été transformés grâce aux paramètres de lecture et donnent jour au texte. Dans la ligne numéro 9, nous pouvons noter le nombre de mots utilisés pour la création de l'ensemble de tous les textes. Voici exactement le texte en prose découvert en 1989, construit selon les préceptes de Nostradamus. Les quatrains ont été détruits et reconstruits afin de donner ce grand texte en prose qui, d'apparence, est entièrement illisible, sauf si nous connaissons les paramètres de lecture. Ce sera à l'intérieur de la ligne 32 qu'un groupement de lettres permet d'envisager l'ouverture des textes. Le prénom Patrick est entré en France accidentellement en 1942. Ce prénom est d'origine irlandaise. Il est écrit phonétiquement. Et en 1989, celui-ci ne représentait pour moi qu'un grand hasard, dû au jeu des mots de Nostradamus. De plus, il était impensable que Nostradamus puisse s'adresser à quelqu'un de l'avenir en l'appelant par son prénom. Or, la suite des textes va nous prouver le contraire. Si j'avais été nommé Maurice ou Albert, jamais je n'aurais découvert cet élément permettant l'ouverture des textes. Maintenant, nous découvrons le texte entièrement illisible, qui commence à partir de la 26e ligne jusqu'à la 47e ligne. Ce texte entièrement illisible comprendra 33 quatrains de largeur, c'est-à-dire 33 pieds poétiques. Les lignes que nous allons lire vont apparaître en jaune les unes après les autres, car chaque texte demande des explications précises. Les textes de Nostradamus sont clairs pour moi, car ils ne sont qu'un appui linguistique pour une transmission de pensée que je retranscris en langage de notre époque. Si bien que pour d'autres, les textes seront encore complexes par certains mots. Voici la ligne 27, telle qu'elle se présente dans le grand texte en prose. Voici comment décomposer la phrase afin de la lire. Les mots vont apparaître les uns après les autres. Les lettres, les syllabes et les mots seront répétés autant de fois qu'il y aura une signification. C'est le secret de Nostradamus. Naîtront les heures d'Inri le deuxième, héritier de l'ancien. Les idées de Dieu seront l'épée du pouvoir du Père. Pour cette ère, l'époque sera réglée. J'ai fait cet usage pour qu'il soit au 21e siècle et avoir l'époque de la première langue, l'année où sera géré l'ère des mots par toi. Le pouvoir sera par cet art ardu. Toi, tu entendras maintenant, ce sera fameux. Tu mettras le même mouvement qui fixera l'aide de Dieu et son dessein. Son index pointera sur ses textes et la citation sera pour les villes. Voici la ligne 44 telle qu'elle se présente dans le texte en prose. Voici comment décomposer la phrase afin de la lire. Les mots vont apparaître les uns après les autres. Les lettres, les syllabes et les mots seront répétés autant de fois qu'il y aura une signification. C'est le secret de Nostradamus. Voici le contenu de la révélation de la ligne écrite en jaune. Au 21e sera l'époque première du lever et de l'élévation des vers poétiques en heure de la herse. Ce sera en votre ère par les pouvoirs des puissances. J'ai eu les visions ici même. Le pouvoir d'entendre sera un poids ici même. Ce pouvoir sera proche de l'époque des usages à l'Est. La terre sera en accusation par tes thèses. Tes idées du devoir seront obtenues en ces années hantées. Avec netteté tellement là sera l'émission de la mention. Je vous mentionnerai dans nos vers poétiques afin d'avoir la volonté de voir la menace en ces heures. Une nouvelle fable naîtra et sera belle.
À l'heure de l'ère des mots, l'essai de la connaissance sera sur la durée de l'existence, les yeux sur les eaux hautes. Dans ces notes sera un pouvoir de peste à l'Est, te le dire tellement dans cette haute lettre. Seront levées des armées, la guerre partout, tous seront grillés, brûlés. Tu as le premier l'œil sur cette lecture ici même. Seront ensuite des années de neige. Ce sera la GN. Voici exactement comment se présente la ligne 42 de la prose. Voici comment nous devons décomposer la ligne 42 de la prose. Si une lettre, groupe de lettres ou un pied poétique possède plusieurs significations, nous devons inscrire autant de fois le symbole qu'il y a deux significations. Même dans le cas où cette signification n'a rien à voir avec le texte, lors de l'analyse définitive, les mots superflus seront supprimés, et ainsi, le secret de la phrase verra le jour. Et de plus, il ne faudra absolument pas faire attention à la façon dont les mots sont rédigés, car les textes sont entièrement phonétiques. Ce sera l'oreille qui aura la priorité sur la lecture. Voici le contenu de la révélation de la ligne écrite en jaune. Il faut savoir croire en la règle de l'ère des mots, l'entendre, afin d'avoir les visions. J'ai hanté nettement ce cryptage qui se voit, et j'ai vu nettement tes thèses, en faire l'usage après les césures. En ayant la certitude, il faut hurler ses écrits. Savoir l'ère des mots ici même subtil sera le souci de la lecture levée. L'élever, la construire, élever l'élection avec les vers poétiques et les versets, faire les scènes par l'usage. Ainsi sera Inri le deuxième. L'idée de Dieu en heure pour l'ère d'oral. Nous avons laissé les laideurs, la danse des années et la densité de la mer, les heures des fonds sondés. Avoir une onde, une vague gigantesque, vous aurez le délai et l'heure. Il y aura des raids. Et de la raideur du Grand Nord, vous aurez les eaux dans les jardins, les vergers, les villes et les villages. Les rues de Russie auront un fort sortilège. Vous aurez les eaux dans les jardins, les vergers, les villes et les villages. Ce sera ici le réel relais qui mettra les heures de l'URSS. Ce sera la volonté de voir la menace, la malédiction. La terre devrait avoir honte. Nous accusons cette époque. Voici la ligne 32, telle qu'elle se présente dans le grand texte en prose. Voici comment décomposer la phrase afin de la lire. Les mots vont apparaître les uns après les autres. Les lettres, les syllabes et les mots seront répétés autant de fois qu'il y aura une signification. C'est le secret de Nostradamus. La lecture sera ici même. Tu feras le rêve de voir. Ce sera la volonté de ce cryptage d'avoir et de savoir cela le premier. Tu es Patrick, avec le pouvoir d'avoir l'attrait de l'ère des mots triés. Ce cryptage sera la volonté de voir les faits, en faisant les heures de ce pouvoir lourd. Longuement, tu auras les soucis de cette lecture mise ici même, par le sens de la clé scellée. Ce sera ce savoir de la lecture liée qui émettra les heures de la mer et les heures du grand heure. Tu as tardivement cet art, les instances de ce temps. Savoir cela, là, par ces notes, contiendront l'époque. J'ai gelé le pouvoir de cet art parfait. Refaire le récit d'hier en heure de cette ère repérée. Elles seront des heures de héron. Le rond nord, je l'ai eu nettement, tu as tardivement cet art. Le premier à réinscrire ainsi les cours de surdité de l'ère des mots. Cela sera le pouvoir de compagnonnage par l'art de l'ère des mots. Voici la ligne 31, telle qu'elle se présente dans le grand texte en prose. Voici comment décomposer la phrase afin de la lire. Les mots vont apparaître les uns après les autres. Les lettres, les syllabes et les mots seront répétés autant de fois qu'il y aura une signification. C'est le secret de Nostradamus. Seul, au soleil, ta voix est te voir. J'entends ici même les hauts vœux au bar, et avoir ce savoir, car tu as cet art que tu défendras, et tu protégeras ces notes pour la planète, pour les heures de terreur que les races auront.
Le premier souci, le bilan de demain, moi le mage, avoir ainsi le premier inscrit, ce qui sera cela. Les notes seront les hautes thèses qui étaient scellées, et savoir la clé scellée mise pour ces notes ici même. La citation et le temps tellement fera l'effet, les notes seront ses idées, ici même semblables. Nous t'aidons pour ce devoir qui te fera duel au sens sensitif. Les usages seront à l'intérieur des mots. La naissance de ce savoir par la citation dans le tissage des mots ici même sera grande. J'ai géré les années de l'aide de Dieu pour la grande heure du puissant heure. J'ai géré cette époque râpeuse, des grappes de feu. Il faut le faire savoir. Assume cette grande époque de l'année des Andes, les décès des êtres. Seront tes thèses, fais-les savoir. Voici la ligne 46, telle qu'elle se présente dans le grand texte en prose. Voici comment décomposer la phrase afin de la lire. Les mots vont apparaître les uns après les autres. Les lettres, les syllabes et les mots seront répétés autant de fois qu'il y aura une signification. C'est le secret de Nostradamus. Tu auras les visions. Elles viendront ici même par ces notes. Ces notes seront obtenues lentement. En cette année-là, tu auras la connaissance de l'heure. Savoir faire les heures à partir de l'air des mots, ce sera un pouvoir élevé. L'air des mots fut porté au port. On te fit les yeux dès la naissance pour ses usages récents. Ce nouveau temps sera le thème qui sera émis pendant le pouvoir du PS. Les êtres auront des heures de haine. Ils haïront cette connaissance scellée. La clé sera pour celui qui eut les clous au corps. La connaissance de ce corpus indiquera le sortilège de ce pouvoir qui ne sera qu'attention. Il faudra être très attentionné sur la lecture des vers poétiques. Ils seront la volonté de voir la menace, la malédiction de ces heures heurtées. Tes thèses et usages feront la règle, Gilles. La lecture laissera la connaissance, elle sera en ton âme à Camps. Savoir les usages en acceptant ce destin, tout cela sera de Dieu. Son effet fera les heures rêvées, contenues dans les vers poétiques. Ce sera la volonté de voir la menace, la malédiction de ces heures. Ce sera un pouvoir piquant. Ici même, tu as la connaissance du sens intelligent, du bon sens dans la manière de comprendre les choses. 100 scènes ont été laissées pour ces usages. Il faudra semer cet art de l'ère des mots, ainsi que la règle. Les rois de toute la terre entendront cette lecture. La lettre demandera certaines dispositions. Ce sera une situation qui fera la circonférence. Voici la ligne 33, telle qu'elle se présente dans le grand texte en prose. Voici comment décomposer la phrase afin de la lire. Les mots vont apparaître les uns après les autres. Les lettres, les syllabes et les mots seront répétés autant de fois qu'il y aura une signification. C'est le secret de Nostradamus. Tu as mis ici même la connaissance sur la durée d'existence. Par ces usages, il faut faire savoir la narration de cet art. Tu as hurlé la lettre et le but de ces notes du temps. Tu émettras le pouvoir de ces pages, le premier être pour ce jeu des mots. J'ai, par ma foi, fait naître nettement tes thèses. L'effet de ces usages fera les idées pareilles. Ta croix sera de savoir l'air des mots et entendre ici même cette connaissance serrée. L'époque sera en accusation par tes thèses qui seront. Tu feras avoir le rond nord et voir nettement la terre en terreur. La durée de l'existence sera l'effet de ce don donné par la clé scellée de Nonate haussée, trouvée en ta tête. La terre a trop de trous. Nous trouvons ce supplice grand. L'air de l'année des Andes, vous devez avoir la volonté de voir la menace dans cet art. Du rond nord, vous aurez les eaux hautes. La cause sera les récipients des navires. Voici la ligne 26, telle qu'elle se présente dans le grand texte en prose. Voici comment décomposer la phrase afin de la lire. Les mots vont apparaître les uns après les autres. Les lettres, les syllabes et les mots seront répétés autant de fois qu'il y aura une signification. C'est le secret de Nostradamus. Ici sera le pouvoir des pieds poétiques publiés.
la belle lecture de ses notes. Là, la barre par cet art, et la barre nettement. Tes thèses feront les ors de l'air, qui sera rasé, effacé, gratté. Les êtres par cela connaîtront le pouvoir de Dieu. L'effort sera pour l'essor de ce fort sortilège ignoble. Cette repoussante air sera en accusation. De ce pouvoir, puissiez avoir les visions ici même, les idées de Dieu par les usages des faits. Le front, l'affrontement auront nord, les eaux hautes, vous aurez nettement. Vous devrez avoir la volonté de voir la menace de ce temps mise ici même, maintenant de cet art de l'air des mots, sera l'accusation de la terre, remise par ses nombreuses lignes en long pour l'année du néant. À côté des êtres sera ce savoir sur les eaux, les visions ici feront savoir les scènes. Le pouvoir est proche pour cette connaissance. La clé scellée laisse les usages. Les gens connaîtront ce fort sortilège qu'ils auront par les eaux dans les jardins, les vergers, les villes et les villages. La géhenne naîtra. Les usages, sire, feront l'angoisse de l'air des mots qui referont les récits. Ici même nous fîmes le sommet afin de mettre les usages de cette connaissance pour le Messie. Voici la ligne 29, telle qu'elle se présente dans le grand texte en prose. Voici comment décomposer la phrase afin de la lire. Les mots vont apparaître les uns après les autres. Les lettres, les syllabes et les mots seront répétés autant de fois qu'il y aura une signification. C'est le secret de Nostradamus. Tellement par ce pouvoir les années ont été nettes. La peur des heures, car les gens de naissance feront des études. De Dieu, vous connaîtrez les sons phonétiques, où seront confinées les scènes. Le pouvoir naîtra par plus de lectures, afin d'avoir la coutume, et en faire la base. La lecture basse aura le premier savoir sur ses usages scellés. Seules les missions mises ici même seront les idées de Dieu indiquant la durée de l'existence. J'ai hanté la terre qui sera en terreur en ces heures. En refaisant les heures du grand heure, l'air du rond nord, vous devriez avoir honte, nettement. Tellement l'heure sera réelle et laissera les faits avouer. La volonté de voir la menace, la malédiction et revêtir les hommes de tombe. Dieu a fait ses usages et tout cela, car les êtres de la terre auront tous des rames. Je vois les âmes et les mots par les eaux hautes. Par ces hautes notes, j'ai eu le jour. Voici la ligne 30, telle qu'elle se présente dans le grand texte en prose. Voici comment décomposer la phrase afin de la lire. Les mots vont apparaître les uns après les autres. Les lettres, les syllabes et les mots seront répétés autant de fois qu'il y aura une signification. C'est le secret de Nostradamus. Voici le contenu de la révélation de la ligne écrite en jaune. Dieu sera tellement en ce temps du nord, vous aurez les eaux dans les jardins, les vergers, les villes et les villages. Le reflux de la mer, la cause sera des bateaux et des batailles. Rapidement tu bâtis, tu tisses ici même les faits. Cette élection par cette lecture, ce sera l'idée de Dieu pour la dernière heure de Rome. Ce temps recevra ce pouvoir par cet art de l'air des mots. À Paris sera l'idée de demain. Moi le mage, de ma main, ainsi. Mon fils, ici, ce sera le secret de la création, et l'avoir rapidement à temps. Par ma foi naîtra l'aide de Dieu divinité, par deux coutumes avoir le sceau de cette connaissance, l'aptitude pour le pouvoir de tes thèses, par les sons phonétiques, avoir sonné les sonnets en été. Ce sera avec l'aide de Dieu. Par deux coutumes seront les années d'ange. J'ai l'épée de ce pouvoir, le supplice marchera, de la lettre pour la terre, les présidents des nations l'entendront ici même être. Ayez ici même le savoir pour les hommes, ce sera le sommet des mots et des mots à avoir. Voici la ligne 34, telle qu'elle se présente dans le grand texte en prose. Voici comment décomposer la phrase afin de la lire. Les mots vont apparaître les uns après les autres. Les lettres, les syllabes et les mots seront répétés autant de fois qu'il y aura une signification. C'est le secret de Nostradamus. Voici le contenu de la révélation de la ligne écrite en jaune. De Dieu sera l'effet, le sentir nettement.
tellement maintenant l'air des mots sera assez bien, et bon à l'avoir obtenu des rimes. L'air des mots refera lentement l'époque. De l'émission des mots, tu auras l'inquiétude des visions. Sous les yeux, en été, dans les têtes seront tes thèses, et les usages seront ceux-là. L'avoir le premier, et faire l'angoisse par l'accusation de la terre. Cette époque sera l'année des noyades, j'entends et je connais les heures. L'effet d'un feu sur les hommes. La coutume sera issue de tellement d'heures de Dieu. Les heures de ce pouvoir par le compagnonnage de cet art, et avoir la parure des mots tardivement de cet art. Le temps presse, car de la haine d'ennemis naîtra l'effroi. Sera mis ici même l'air des mots et les entendre. Voici la ligne 35, telle qu'elle se présente dans le grand texte en prose. Voici comment décomposer la phrase afin de la lire. Les mots vont apparaître les uns après les autres. Les lettres, les syllabes et les mots seront répétés autant de fois qu'il y aura une signification. C'est le secret de Nostradamus. En faisant les notes pour cette époque, tes idées seront semblables par le pouvoir de cet art de l'air des mots. Ce sera beau d'avoir l'année, la connaissance était serrée. Sire, la renaissance des vers poétiques et des versets, en période du Verseau, seront les eaux hautes, seront mises les heures mortelles. De mes heures tu mûriras l'aide de Dieu, les effets et les usages feront la certitude pour les heures du heure des eaux sur les îles. La lettre indiquera la durée de l'existence et tes thèses par leurs usages produiront des visions qu'il faudra suivre. Il faut fuir les évêchés. La volonté de voir cette sage connaissance, les heures seront de raison et seront faites par les sons phonétiques. Tu as le savoir pour la création des mots. En les élevant, tu auras la renaissance des mots mortels. Tu auras les heures des eaux dans les jardins, les vergers, les villes et les villages, et les morts par les eaux ignobles et repoussantes. Pour la terre du Rond Nord, vous devrez avoir nettement honte, tellement cette lecture sera liée au pôle, qu'il sera le lieu d'où les eaux iront sur les industries, les marmites, les centrales nucléaires, tout sera dans ces notes. Voici la ligne 36, telle qu'elle se présente dans le grand texte en prose. Voici comment décomposer la phrase afin de la lire. Les mots vont apparaître les uns après les autres. Les lettres, les syllabes et les mots seront répétés autant de fois qu'il y aura une signification. C'est le secret de Nostradamus. Le pouvoir de l'air des mots et les usages te feront professeur de la prose scellée. Laissés ici. Ces usages d'expression seront la lettre du temps. J'ai les yeux et les oreilles. Les yeux sur les faits feront les notes que tu as pour cette lecture. Il faut lire l'air des mots, où seront les mots élevés, le revers de l'humanité. Tu rêveras des vers poétiques et aux heures de vision. Sous les yeux seront la coutume et l'usage des sons phonétiques que tu auras nettement par ce cryptage. Il faudra gérer la grande année, le délai pour l'Est sera dans cette lecture. La connaissance t'aidera par cet art qui deviendra récit. J'ai le glas là, dans ces notes, les avares de là-haut. Les yeux sur cette lecture, lire les mots pour le monde. Montrer à la terre l'air des mots et les usages d'expression. Faire savoir les sons phonétiques confus et voir naître la lecture. Car votre air sera rasé, gratté, effacé. Tu auras rapidement le pouvoir de lecture des notes. Tu eus l'horripilation pour cette lecture. Tu auras l'époque par les visions. Les yeux sur les gens des Andes en ces heures du grand heure. L'accusation sera dans toutes les têtes, par nos usages et par tes thèses. Voici la ligne 45, telle qu'elle se présente dans le grand texte en prose. Voici comment décomposer la phrase afin de la lire. Les mots vont apparaître les uns après les autres. Les lettres, les syllabes et les mots seront répétés autant de fois qu'il y aura une signification. C'est le secret de Nostradamus. La volonté de voir la menace, la malédiction, ces heures de la herse sera dit dans les vers poétiques par les mots. Les sons phonétiques seront sondés.
les usages feront ce pouvoir par plus de lectures encore. Ce sera la volonté de voir et de veiller les yeux sur ces usages longuement, et avoir le pouvoir de la prose. Ce procès sera par l'air des mots haussé. Sous les yeux des hommes, les leçons par les sons phonétiques prendront naissance. De l'air du rond nord, vous aurez les os en haine. Nettement, tu as la connaissance. Les hommes entendront le couinement. Savoir cela et avoir les visions de la géhenne mises avec netteté. Tu as tardivement l'art de l'air des mots, le réel relais. Là, avoir et entendre la terre en rage. Tu auras cet art ardu. Tu, des visions, premier là à laisser les usages de ce cryptage avec des visions de haine. Il faut gérer et rendre d'ici là la lettre pour ce terrible été des eaux hautes, qui deviendra un étau pour les hommes. Nostradamus est vraiment voyant, et il le prouve. Donc il sait qui découvrira ces textes, et à quel endroit ces textes seront découverts. Voici un véritable prodige digne de Merlin l'Enchanteur. Nostradamus savait très bien où les textes allaient être découverts. Il le marque dans la quatrième ligne du premier quatrain. Fais prospérer qui n'est à croire vain. Voici le contenu de la quatrième ligne. Il suffisait simplement d'inverser les pieds. Les pieds poétiques s'installent tels qu'on doit les inscrire à l'envers. En dessous, vous avez la signification de chacun des pieds. Cette écriture est entièrement phonétique. C'est-à-dire que ce sera à nous de remettre dans le contexte de notre langage actuel. Prof bénéficie de la lettre de substitution S, F égale S, et apocope de E pour faire prose. Voici le résultat de notre découverte. Un varois qui croira aura le nez, et l'année qui à 7 heures repère la prose faite. Qui fait prophète. Vous trouverez toutes les vidéos sur la véritable révélation de Nostradamus sur YouTube à Bouvier-Patrick Nostradamus. Le principe d'analyse complet se trouve sur le site nostradamusbp.fr. N'oubliez pas le www avant. Et tous les livres seront sur le même site, nostradamusbp.fr.